Bien alors, on va commencer cette séance d'installation du conseil municipal. Alors évidemment, c'est très exceptionnel. Habituellement, une séance de conseil d'installation, ça se situe une semaine après l'élection. On avait d'ailleurs convoqué, souvenez-vous, le conseil d'installation. Vous avez envoyé un ordre du jour. Et puis finalement, il y a eu une annulation. Et c'est plus de 2 mois plus tard que nous nous retrouvons dans une salle qui n'est pas la salle du conseil municipal. Et évidemment, dans une configuration qui respecte la distanciation sociale. Nous sommes bien plus éloignés les uns des autres. Nous avons aéré cette pièce et on va essayer, dans toute la mesure du possible, de strictement appliquer les consignes qui nous viennent du préfet et qui nous demandent de bien vouloir faire des conseils brefs. Il y avait une incitation même à ce que nous ne soyons pas forcément nécessairement tous présents ce soir. On aurait pu réduire le quorum, mais je crois qu'un conseil d'installation avec l'ensemble des élus, c'est tout de même une bonne chose. Le public n'est pas présent ce soir, ça aussi c'est totalement inédit, hein, puisque ce qui fait qu'un conseil municipal est valide et légal, c'est qu'il y ait une présence de public dans la salle. Ce soir, le choix a été fait donc, de ne pas avoir de public, mais de retransmettre le conseil municipal qui peut donc être suivi sur le site de la ville. Alors, c'est un petit peu désolant que la première retransmission du conseil municipal a suscité le soir en raison de cette crise sanitaire, puisque, comme vous le savez, le souhait que j'ai, c'est que l'ensemble des conseils municipaux, durant toute cette mandature, soit retransmis sur le site de la ville. J'espère cependant qu'on aura un public, parce que c'est aussi ça qui fait la qualité de la démocratie, c'est de faire des conseils municipaux qui néanmoins nous permettent d'avoir dans la salle ceux de nos habitants qui sont intéressés par les sujets que l'on aborde. Alors, mon rôle ce soir, il est très limité, puisque en tant que maire sortant, ce n'est pas moi qui vais présider ce conseil municipal. Comme vous le savez, le rôle du maire sortant se limite à la convocation et à l'organisation de cette séance. Je vais passer la parole, comme c'est la loi d'ailleurs, j'allais dire comme c'est la tradition, mais c'est la loi également, au doyen de séance, doyen de très peu, ça va être Jean-Daniel Amser, à qui je vais avoir le plaisir de passer la parole, non sans avoir dit, mais avec beaucoup de sobriété, ce que nous pensons tous ce soir. Ce n'est pas nous, quand même, qui prenons des risques en redonnant vie à la démocratie, parce que c'est une bonne chose que nos conseils municipaux s'installent. Ceux qui ont vraiment risqué la vie pour notre population, ce sont les soignants, et c'est à eux que je pense ce soir. Nous, par contre, il faut montrer l'exemple, être rigoureux et continuer à aider notre population à avoir un déconfinement qui soit raisonnable afin que nous aidions le pays à se sortir d'une situation exceptionnelle. Voilà, sur ce, je passe la parole à Jean-Daniel Amser, qui va présider la séance et organiser l'élection du maire par le conseil municipal. Merci Marie-Carole. Donc, bonsoir, et c'est un plaisir de vous retrouver pour les anciens et d'accueillir les nouveaux membres de ce conseil. Donc, bienvenue ce soir. C'est un plaisir de vous retrouver ou de vous accueillir. Une pensée, effectivement, à ceux qui nous ont précédés. Une pensée au personnel soignant des équipes du SPASA, du SA, du CCAS, qui se sont dévoués également au profit de nos habitants pendant toute cette période. Et une pensée globalement à tout le personnel soignant également. Donc, je vais procéder d'abord à l'appel pour voir si le quorum est réuni, ce qui me paraît évident ce soir.
Donc, je commence par Madame Sientu, Monsieur Traillot, Madame Felgine, Monsieur Van den Bosch, Madame Westphal, Adolphe Montefiore, Marie-Dominique Penaud, moi-même bien sûr, Awa Timera, Jean-Pierre Chaffaut, Christine Pinto, Christophe Chartrain, Sophie Figueur, Cédric Musso, Madame Virginie Grasset, Luc Offenstein, Madame Anne-Marie Bourdineau, Monsieur Luc Boursier, Madame Martine Valotto, Monsieur Philippe Dambrun, Madame Nicole Mille, Monsieur Stéphane Boguet-Hénard, Madame Caroline Blamoutier, Monsieur David Cardozo, Madame Marielle Laurent, Monsieur Jean-Pierre Durazo, Madame Élodie Marie, Monsieur Alain Catineau, Monsieur Vincent Jacobi, Monsieur Dominique Chénois, Madame Emmanuelle D'Andrea, Monsieur Jean-Paul Grange, Madame Margaret Nanteuil, Monsieur Olivier Marasco. Et en ce qui concerne Monsieur Georges Spido, il nous a adressé un mail dans lequel il explique les raisons pour lesquelles il a jugé préférable de ne pas participer au Conseil de ce soir en raison des risques de pandémie et des, je dirais, tout l'exercice qu'il a eu à parcourir pendant toute cette période. Et donc, c'est la raison pour laquelle il s'est absenté ce soir. Il n'a pas donné de pouvoir. Donc, le quorum étant atteint, je déclare la séance d'installation de notre Conseil ouverte. Je commence par la lecture des résultats du premier tour du scrutin qui s'est opéré le 15 mars 2020, constaté au procès-verbal des élections. Nous avions 16 714 électeurs inscrits, nous avons eu 7 054 votants, une participation de 42,20%. Au niveau des résultats, nombre de bulletins blancs 77, 175 bulletins nuls et suffrages exprimés 6 802 bulletins. Le nombre de voix recueillies par chacune des listes et le nombre de sièges correspondants sont donc comme suit. La liste Pour l'amour de Sucy, conduite par Mme Marie-Carole Sientu, a obtenu 52,72% des voix avec 3586 voix et obtient donc 28 sièges. La liste La force du changement, conduite par M. Vincent Giacobbi, a obtenu 20,02% des voix avec 1362 suffrages et a donc obtenu 3 sièges. La liste Sucy, écologiste et solidaire, conduite par M. Jean-Paul Grange, a donc obtenu 17,26% des voix avec 1174 suffrages et a également obtenu 3 sièges. Et enfin, la liste Sucy 2020 ensemble, conduite par M. Georges Spido, a obtenu 10% des suffrages avec 680 voix, soit un siège. Il convient de noter également que Mme Catherine Gagné, qui était élue sur la liste La Force du Changement, a démissionné par courrier reçu en mairie le 18 mai 2020. Elle est donc remplacée par Mme Emmanuelle D'Andrea, qui vient immédiatement après sur la liste. Je déclare donc l'ensemble des élus installés dans leur fonction de conseillers municipaux. Maintenant, nous allons procéder à l'élection du maire. Et pour ce faire, je vous propose tout d'abord de désigner, si elle l'accepte, Madame Awa Timera comme secrétaire de séance pour ce conseil d'installation. Est-ce qu'Awa est d'accord pour assumer cette lourde charge? Oui? Merci. Bon, alors, je vais donc vous proposer de passer au vote qui serait contre la désignation d'Awa Timera comme secrétaire de séance, qui s'abstiendrait. Et donc, j'en déduis que Mme Awa Timera est désignée à l'unanimité comme secrétaire de séance.
L'ordre du jour de cette séance appelle donc maintenant à procéder en premier lieu à l'élection du maire. Pour ce faire, il nous appartient de constituer un bureau électoral et je vous propose de procéder à la désignation de deux assesseurs parmi les listes d'opposition présentes, puisque moi-même je présiderai le bureau S-Qualité. Et donc, je m'adresse à la liste La Force du Changement pour savoir si M. Vincent Giacobbi souhaite nous proposer un assesseur ou une assesseur. Je propose la candidature d'Emmanuel D'Andrea au titre d'assesseur. Très bien, merci. Et donc, je m'adresse maintenant à Jean-Paul Grange pour savoir si lui-même également souhaite nous désigner un assesseur. Oui, oui, Olivier Marasco. Très bien. Merci à vous deux. Et donc, je vous propose que les deux assesseurs prennent maintenant place à ce qu'on appelle la table électorale au milieu de notre salle. Et donc, je vais vous expliquer les lourdes fonctions qui vont vous incomber. Je vous laisse prendre place. Donc, nous allons convenir que Madame D'Andrea serait l'assesseur numéro 2 et que, en tant que telle, vous auriez à tenir la feuille de dépouillement concernant l'élection du maire et ensuite la feuille de dépouillement dans la seconde partie de la séance concernant l'élection des adjoints et des adjoints de quartier. En ce qui concerne le secrétaire et l'administration, une feuille d'appel pour pointer les votants, une feuille de résultat, une feuille récapitulative des bulletins déclarés nuls, ainsi que les enveloppes pour les bulletins blancs et nuls et les autres bulletins. L'assesseur numéro 1, donc vous-même, monsieur, est chargé d'ouvrir l'une, de comptabiliser et de déplier les bulletins. Donc, vous n'aurez pas à, je dirais, vous passer mutuellement les papiers. Chacun aura son propre domaine d'intervention. L'assesseur numéro 2, donc vous, madame, est chargé de recenser les votes et de compléter les feuilles de dépouillement, donc au fur et à mesure. Maintenant, je vous invite, ces formalités préalables étant réunies, à procéder à l'élection du maire. Pour ce faire, je vais d'abord vous donner lecture des dispositions inscrites aux articles L2122 alinéa 4 et L2122 alinéa 7 du Code général des collectivités territoriales qui régissent l'élection du maire. Le conseil municipal élit le maire et les adjoints parmi ses membres au scrutin secret. Nul ne peut être élu maire s'il n'est âgé de 18 ans révolus. Les fonctions de maire sont incompatibles avec l'exercice d'une des fonctions électives suivantes, président d'un conseil régional, président d'un conseil départemental. Les fonctions de maire sont également incompatibles avec celles de membre de la Commission européenne, membre du directoire de la Banque centrale européenne ou membre du conseil de la politique monétaire de la Banque de France. Tout maire exerçant une fonction, le plaçant dans une situation d'incompatibilité prévue par les deuxième et troisième alinéas, cesse de ce fait même d'exercer ses fonctions de maire. En cas de contestation, l'incompatibilité prend effet à compter de la date à laquelle la décision juridictionnelle confirmant l'élection devient définitive. Enfin, le maire est élu au scrutin secret et à la majorité absolue. Si, après deux tours de scrutin, aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative. Et enfin, en cas d'égalité de suffrage, le plus âgé est déclaré élu. Bien, ces rappels aux dispositions du Code des collectivités étant faits, je vais maintenant recueillir... Et je vous invite à me faire connaître celles et ceux qui sont candidats à l'élection de la fonction de maire. Et en ce qui me concerne, je vous propose,
au nom de la liste Pour l'amour de Sucy, la candidature de Madame Marie-Carole Sientu. Et maintenant, je souhaite savoir quels seraient les candidats que vous pourriez nous proposer. Donc, Monsieur Giacobbi, je crois que vous souhaitiez nous dire quelques mots à ce sujet. Absolument. Je ne sais pas si, dans l'ordre, vous acceptez que je prenne la parole. Oui, tout à fait. Entendu. Merci à vous. Merci à vous, Monsieur le Président de séance, Madame le Maire, mes chers collègues. Madame le Maire, pas encore. Pas encore, mais sortante, vous ne voulez pas. Là. Bon. Notre pays traverse actuellement une des plus graves crises sanitaires de son histoire, et ce depuis le 17 mars dernier. À la fois les activités sociales, économiques et commerciales, culturelles et associatives, se sont pour la plupart arrêtées en s'exerçant dans des conditions inédites. Pour le son, c'est bon ? Je ne me rends pas compte si c'est désagréable. Entendu. Oui, oui, c'est bon, on vous entend. L'État est en première ligne pour assurer la continuité des pouvoirs et des services publics. Les différents échelons de responsabilité se mobilisent partout sur le territoire national pour soutenir les activités économiques et hospitalières. Des élans de solidarité se sont spontanément organisés pour accompagner les malades et les personnes en situation de fragilité. À ce titre, nous souhaiterions remercier tous les Suciciens qui se sont engagés à leur échelle et pour faire face à cette situation exceptionnelle. Vous avez vous-même entrepris différentes initiatives durant cette période que nous estimons correspondre à ce que nous pouvons attendre de la part d'un maire. En tant que premier groupe d'opposition de notre ville, Sucy en mouvement a fait le choix durant cette période d'une union républicaine et nous avons participé activement à différents projets bénévoles ou associatifs ouverts. Cependant, cette période aurait nécessité une concertation étroite et régulière de l'ensemble des élus de la commune. Or, je vous l'ai écrit dans ma lettre ouverte, nous déplorons que la dernière réunion du conseil municipal remonte au 16 décembre 2019. Je vous l'accorde, il y avait un conseil d'installation qui a été suspendu entre-temps, mais je déplore également de ne pas avoir approuvé le compte-rendu du précédent conseil municipal. Aucune réunion de travail associant tous les élus, à la fois anciens et nouveaux, n'a été entamée. Aucune transparence non plus sur les arbitrages. Sur le budget, vous m'avez répondu, il sera voté avant la fin juillet. Et vous ne souhaitez pas travailler avec tout le conseil municipal, c'est ce que je vous ai également écrit, et nous le regrettons. Nous relayons l'inquiétude exprimée à la fois par les citoyens et les acteurs de la commune, quant aux conditions également de déconfinement, qui, elles, ont débuté, à l'image des craintes dont je vous ai fait part, à la fois des masques distribués par la ville, à la fois, si je dois donner un autre exemple, celui du conservatoire, où vous avez voulu l'ouvrir alors que cela était proscrit par décret, ce qui vous a valu de revenir en arrière. Les conseillers municipaux élus par les habitants de notre ville et qui doivent rendre des comptes ne peuvent être plus longtemps tenus à l'écart des décisions. Faut-il rappeler mon propos du 14 octobre 2019 qu'une bonne gouvernance municipale, c'est la relation du quotidien avec les élus de son conseil, c'est aussi la relation avec ses administrés et ses concitoyens. Je rappelle ici que le conseil municipal et le maire de Sucy-en-Brie sont redevables aux Suciciens qui apportent toute leur contribution au bon fonctionnement de notre ville, sous une forme ou sous une autre, chacun avec ses capacités, ses moyens et ses disponibilités. Vous existez grâce à eux. Ils ne vous doivent rien, mais vous leur devez tout. Ils méritent d'être informés, entendus, écoutés et respectés. Nous souhaitons donc, à la suite de votre réponse en date du 22 mai 2020, passer aux actes, puisque vous avez émis le fait de ne laisser personne de côté. Nous demandons donc, à l'issue de ce conseil, la convocation d'une réunion en vidéoconférence de l'ensemble des élus du conseil municipal, afin de travailler collectivement sur des mesures à mettre en œuvre pour soutenir l'activité locale, et ce, sous toutes ses formes. En tant que force d'opposition, garant de la bonne tenue de cette ville, nous nous engageons à défendre les Suciciens à travers nos idées et le programme que nous avons soutenu. Parce que nous sommes également une force de proposition
et j'y tiens. Je souligne ce qui est une idée de notre campagne à l'origine, mais il est vrai que vous avez fait le choix, comme beaucoup de communes en cette période exceptionnelle, de retransmettre ce conseil en direct, en ligne, et je me félicite d'apprendre que cela va perdurer dans le temps. J'ajoute que nous ne présenterons pas de candidature ce soir, ni au titre du maire, ni au titre des maires adjoints, ni au titre des maires adjoints de quartier. Mais là encore, parce que nous sommes une force de proposition, nous vous demandons qu'il y ait des élus de l'opposition dans chaque conseil de quartier. Nous travaillerons, et nous avons déjà commencé, sur une nouvelle charte qui doit faire évoluer celle de 2014. Et nous vous demandons à ce titre que nous puissions travailler ensemble. Parce que nous sommes également une force de proposition, nous regrettons la lecture minimaliste, au fond, de cette charte d'élus, qui est une disposition légale et qui, au fond, n'apporte rien de plus. Je vous propose de voter une charte d'élus ambitieuse, ainsi qu'un règlement intérieur de ce Conseil, en concertation avec tous les élus. En espérant que vous serez très attentifs aux propositions de tous les élus, et notamment ceux de l'opposition, qui représentent 48% des suffrages exprimés dans un contexte inédit et très anxiogène. Je tiens à cet égard à les remercier et à leur dire que nous serons au rendez-vous. Je tiens également à remercier tous mes colistiers et en particulier Madame Gagné Valtoune-Bouillac qui a cédé sa place à Emmanuel Gillet-D'Andrea. Je vous remercie. Merci Monsieur Jacobi. J'ai donc bien noté que vous ne proposiez pas de candidature aux différentes élections auxquelles nous allons procéder. Je donne la parole maintenant, bien sûr, à Monsieur Jean-Paul Grange. Merci. Au nom de notre liste, donc SUCI, écologiste et solidaire, je remercie tous les électeurs qui ont voté pour nous et je vais passer le micro à Margaret Bignac-Nanteuil, qui est notre candidate pour la mairie. Merci. Je vais dire juste un petit mot rapidement pour présenter notre liste et ainsi que nos ambitions. Une nouvelle période de 6 ans s'ouvre à nous. 6 ans de projets qui seront, nous n'en doutons pas, réalisés. Ces projets ont pour objectif annoncé de révéler tous les potentiels de la commune. Si l'on ne peut qu'être favorable à un tel objectif, pour notre part, il ne suffit pas. Notre ambition est que ces potentiels soient traduits concrètement dans une vraie approche écologiste et solidaire. Le nom de notre liste l'exprime clairement, SUCI, écologiste et solidaire. SUCI s'est paré de belles images en centre-ville et le projet est voué à se poursuivre pour les 6 ans à venir. On pourrait citer un centre-ville un peu nostalgique d'une époque passée, rigidifié par un pavage envahissant et surtout imperméable à la pluie, faisant penser un petit peu à l'artificiel parc Disney. Des jardins à la française où la nature est enserrée dans des allées qui ne sont même pas conçues pour se promener. Où est la vie en dehors de ce centre de la ville, en particulier dans les quartiers les plus excentrés et dans ceux où des habitats collectifs sont. Les commerces de proximité peinent toujours à s'installer et à survivre, quels que soient les quartiers. Les lieux de simples rencontres sont quasi inexistants, en particulier pour les jeunes et les personnes sans aux ressources limitées. En devenant adultes, la majorité des enfants de SUCI sont amenés à habiter ailleurs. Tous les jours, notre ville est parcourue par des milliers de véhicules, matin, midi et soir, et les habitants ont oublié même qu'ils savaient marcher ou aller à vélo, et ce, même pour se déplacer de quelques centaines de mètres. Parce que l'aménagement de la voirie se fait toujours au profit de la voiture et n'encourage pas les modes de circulation, de déplacement doux, aux alentours des écoles notamment et, comme on l'a vu, aux alentours du marché. Les piétons sont toujours amenés à emprunter des trottoirs étroits et obligés de contourner des ronds-points balisés pour leur propre sécurité. La discontinuité est la caractéristique principale des rares aménagements cyclables réalisés dans la ville. Pour nous, l'enjeu de ces projets, quel qu'il soit, est ailleurs. Des projets importants sont envisagés dans les prochaines années, tels que l'aménagement du quartier de la Fosse-Rouge,
ou celui de la gare, nous comptons bien y prendre part et qu'ils portent tous l'exigence de la transition écologique rapide tout en réduisant les inégalités sociales. Il s'agit de faire mieux avec les mêmes moyens, en concevant dans un réel esprit de co-construction et dans l'intérêt général, non en se contentant d'une information souvent donnée pour répondre à une exigence légale ou a posteriori, une fois que les projets sont déjà enclenchés. Nous attendons une réelle concertation avec tous, à toutes les étapes des projets, et surtout avec les personnes concernées et les représentants de ceux-ci. Nous demandons que tous les élus municipaux président à leur mise en œuvre, car nul ne peut prétendre avoir la vérité révélée. Nous souhaitons que la lutte contre le changement climatique soit la source d'inspiration et le fondement de chaque projet engagé pour la ville de Sucy, et ne se cantonne pas à quelques mesures d'un agenda 21 peu ambitieuse, listé comptablement pour cocher les cases. De même, chaque projet devra intégrer un volet social et local afin de concourir à une meilleure vie pour tous les Sucyciens et toutes les Sucyciennes. Merci. Merci, madame. Nous allons donc maintenant passer aux opérations de vote proprement dites. Vous avez chacun ou chacune sur votre pupitre une chemise dans laquelle ont été insérés un imprimé à compléter avec la mention du candidat que vous proposez et des feuilles de papier blanc pour le vote blanc éventuel et qui vous serviront donc de bulletin de vote. Il vous appartient, puisqu'on a mis également une enveloppe, donc de plier le dit bulletin et de le glisser dans l'enveloppe. Les conseillers municipaux détenteurs d'un pouvoir se seraient vus remettre ces mêmes bulletins également pour voter au nom de l'élu qui leur aurait donné procuration, mais je n'ai pas connaissance de procuration, donc cette question ne se pose plus. Chaque conseiller, à l'appel de son nom, ira remettre dans l'urne son bulletin de vote, donc avec l'enveloppe. Et puis, si certains conseillers ne souhaitaient pas prendre part au vote, ils devront l'annoncer de vive voix. Donc, je vais donc maintenant appeler chaque conseiller municipal par son nom pour que vous vous rendiez donc au centre de la salle pour déposer votre bulletin dans l'urne. Et je vais demander aux deux assesseurs, effectivement, de revenir, sachant qu'ils prennent avec eux leur bulletin, effectivement, ça leur évitera de faire un aller-retour supplémentaire. Donc on va leur laisser le temps de une précision, si vous permettez, oui, Monsieur le Président, allez-y. Il y a bien deux candidatures en lice. Absolument, je vous résume donc les deux candidatures qui se sont déclarées ce soir, à savoir donc Madame Marie-Carole Sientu au nom de la liste Pour l'amour de Sucy et Madame Margaret Nanteuil au titre de la liste Sucy écologiste et solidaire. Nous avons donc ces deux candidatures qui se sont présentées à vos suffrages. Prenez place, hein, je vous... commence. Ah, c'est moi qui vais voter, d'accord. Excuse-moi. Bien, je vous propose donc d'appeler les conseillers. Et donc, je commence par Madame Marie-Carole Sientu. Ensuite, M. Olivier Traillot. Madame Felgine. Monsieur Christian Vandenbosch. Madame Laurence Westphal. Monsieur Adolphe Montefiore.
Madame Marie-Dominique Penaud. Moi-même, votre serviteur. Monsieur Jean-Pierre Chaffaut. Madame Christine Pinto. Monsieur Christophe Chartrain. Madame Sophie Filleur. Monsieur Cédric Musso. Madame Virginie Grasser. Monsieur Luc Offenstein. Madame Anne-Marie Bourdineau. Monsieur Luc Boursier. Madame Martine Valotto. Monsieur Philippe Dambrun. Madame Nicole Mille. Monsieur Stéphane Boguena. Madame Caroline Blamoutier. Monsieur David Cardozo. Madame Marielle Laurent. Monsieur Jean-Pierre Durazo. Madame Élodie Marie. Monsieur Alain Catineau. Monsieur Vincent Giacobbi. Monsieur Dominique Chénois. Madame Emmanuelle D'Andrea. Monsieur Jean-Paul Grange.
Madame Margaret Nanteuil. Et enfin, Monsieur Olivier Marasco. Merci. Donc, nous allons maintenant pouvoir procéder au dépouillement. Donc, l'assesseur numéro 1, Monsieur Marasco, vous ouvrez l'urne et vous comptabilisez le nombre de bulletins que vous allez y trouver. A priori, on devrait en avoir 34. Allez-y, oui. Merci. Je vais vous proposer donc de prendre les bulletins. Vous pouvez soit rester là, soit vous mettre en face de Madame D'Andrea. Il vous appartient donc de déplier, enfin d'ouvrir chacune des enveloppes et de déplier le bulletin, de lire le nom du candidat proposé. Et Madame D'Andrea, vous-même, donc au fur et à mesure, vous noterez sur la feuille de dépouillement les suffrages obtenus par chacun des deux candidats et le nombre de bulletins blancs et nuls s'il y en a. Donc je vous propose de démarrer. Allez-y, Monsieur Marasco. Marie-Carole Ciantu. Marie-Carole Ciantu. Excusez-moi si je prononce mal votre nom. Non, non, c'est très bien. Ciantu, c'est parfait. Madame Ciantu. Madame Ciantu Marie-Carole. Marie-Carole Ciantu. 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 Madame Ciantu. Marie-Carole 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 Ciantu.
Marie-Carole Cientu. 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 Margaret Nanteuil. Margaret Nanteuil. Margaret Bignet Nanteuil. Marie-Carole Cientu. Margaret Bignet Nanteuil. Margaret Nanteuil. Marie-Carole Cientu. Margaret Bignec Nanteuil. Donc, Madame D'Andrea, vous nous confirmez, vous nous donnez la lecture du. Et Margaret Nanteuil, 6. Très bien. Donc, je vous donne donc le résultat. J'appelle Madame Marie-Carole Cientu, qui a donc obtenu 28 suffrages, à venir devant la table et je vais avoir l'honneur de lui remettre l'écharpe de maire. Je voulais juste répondre à ce joli geste que même au bout de 3 mandats, puisque ce sera le 3e que je vais commencer, on est ému vraiment comme la première fois. Et dans une salle comme celle-ci, un petit peu moins conviviale et un petit peu même inhumaine par certains côtés, personne n'aurait envisagé ça il y a 6 ans. Je ne sais pas si vous vous souvenez la chaleur de la salle. C'est vraiment un moment fondateur de la vie municipale. Il y avait plusieurs centaines de personnes présentes. Il y a toute l'administration. Et puis là, on a attendu. Je disais, on n'a même pas continué notre campagne jusqu'au bout. On y a mis fin parce qu'il y avait des urgences et qu'il fallait parer à la crise sanitaire. On n'a même pas proclamé les résultats. Et ça fait 2 mois, effectivement, qu'on est là à ne pas pouvoir installer le conseil municipal et vivre une vraie démocratie, effectivement. Et pourtant, ce soir, eh bien, en entendant mon nom répété 28 fois et en ayant ce geste très chaleureux et magnifique, je n'ai jamais reçu d'aussi beau bouquet de ma vie, eh bien, à travers ces fleurs, je voulais vous dire que oui, c'est des moments qui comptent dans la vie d'une femme et dans la vie d'un maire, et que je ne sais pas effectivement si les susciciens me doivent quelque chose. Moi, je sais ce que je leur dois, et ce que j'espère quand même, c'est que au bout de ces mandats, s'ils me réalisent, c'est qu'ils pensent quand même que on a un attachement pour la commune qui est fantastique. Certes, on ne fait pas tout ce qu'il faut
Certes, il y aurait certainement même des gens qui feraient beaucoup mieux que nous, mais ce que je voudrais simplement faire passer ce soir, au nom de tous mes collègues, et c'est une manière aussi d'associer ceux qui ne sont pas là ce soir, ceux qui nous ont accompagnés au précédent mandat, qui ont certainement un pincement au cœur en nous suivant à travers les écrans, dans une vie municipale, on peut être très critiqué, on peut ne pas correspondre aux convictions de certains, mais vraiment, on donne tout, sinon vraiment... il n'y a pas de raison d'être toujours là et de continuer. Et quand on voit quand même comme on a, dans les collectivités, répondu, bien sûr, pas seul, avec un élan de solidarité extraordinaire, à l'attente des gens, alors qu'ailleurs, on ne peut pas dire quand même qu'à tous les échelons, c'était pareil. L'État était quand même beaucoup moins réactif que n'ont pu l'être les régions, les départements et les communes. Ce soir, laissez-moi vous dire, oui, je remercie effectivement les susciciens qui me font confiance pour la... troisième fois, mais je leur dis tout simplement, si je suis émue comme ça, c'est que j'espère qu'au moment de l'élection et pendant tout ce mandat, ils vont ressentir à quel point j'aime cette ville. Et si j'avais baptisé cette liste, même si c'était quelque chose de ridicule, pour l'amour de Sucy, il n'y a que ça qui peut justifier l'engagement municipal. Il est très particulier, il est très affectif, et moi je n'ai aucune gêne à le dire, je le fais pour l'amour de Sucy avant toute chose, et pour l'avenir des habitants, j'espère que finalement, il y a un retour un jour d'affection. Moi, je crois qu'on ne donne jamais sans recevoir, et je donne tout ce que je peux, et je continuerai pendant les 6 ans, et je vais essayer de le faire dans une ambiance démocratique la plus partagée qui soit, parce que de cette crise, on apprend quelque chose, c'est qu'il faut effectivement reconsidérer tous nos fondamentaux et voir comment on va continuer en travaillant différemment, plus que jamais, ce qui avait déjà d'ailleurs été annoncé par nous tous, parce qu'au fond on n'invente rien, on propose tous des choses assez proches, et il n'y a rien d'extraordinaire à proposer une retransmission de conseil municipal, comme il n'y a rien d'extraordinaire non plus à proposer que les conseils de quartier continuent et soient de plus en plus connus, de plus en plus partagés et de plus en plus autonomes. On l'a dit, on va le faire, nous l'avons tous dit, nous allons tout le faire, peu importe celui qui le dit, faisons-le ensemble plus que jamais. Moi je voudrais vous répondre, puis je crois finalement que je rajouterai peu de choses après ces quelques mots. Si vous aviez voulu en être, on a fait un appel à toute la population, vous en étiez. Ce n'est pas à 2 jours d'un conseil municipal qu'il faut envoyer une lettre en faisant le reproche de ne pas avoir été associé. Il fallait venir avec nous. Vous étiez très présent pendant la campagne, monsieur Vincent Giacobbi. Vous avez brillé par votre absence pendant toute la période de pandémie. Alors, ces grosses ficelles, il faut les abandonner. Ça, ce n'est vraiment plus la manière dont on a envie de voir les choses et de réclamer qu'on vous ait associés, vous vouliez venir avec nous, vous veniez, et puis il n'y a pas d'audioconférence, vous n'avez pas saisi la chose, c'est que maintenant, ça y est, nous installons le conseil municipal, dans 15 jours, on va faire un débat d'orientation budgétaire, dans un mois, on votera le budget, on est reparti, on travaille, on va le faire dans les règles de distanciation sociale, mais on va être là, on va être présent, on va être sur le terrain, on est susciciens, on habite ici, on travaille ici, on fera tout ce qu'il faut pour les gens en prenant les précautions qu'il faut, mais en étant quand même en avant de la scène pour qu'ils se sentent totalement préservés par une ville qui a la chance, parce que c'est ça que je veux dire, d'être dans une situation financière totalement rétablie. Ça, c'est le travail justement que nous avons réussi à faire sur les 12 dernières années. Nous avons une dette qui est réduite de 17 millions d'euros, donc un désendettement spectaculaire qui nous place dans une situation tout à fait normale pour une collectivité de cette taille. Nous avons un autofinancement qui est reconstitué. Nous avons eu la possibilité depuis 10 ans de ne pas réaugmenter les impôts. Nous avons donc la possibilité de travailler avec les Sucyciens et d'avoir une possibilité d'action parce que nous avons la liberté que nous donne une bonne gestion des finances locales et nous allons pouvoir donc bien travailler ensemble en association intime avec les habitants. Il y aura non seulement les conseils de quartier, vous le savez, avec un budget autonome, mais il y aura aussi des appels à projets. Il y aura des subventions qui seront données à ceux qui, associatifs ou même citoyens, auront envie d'aller de l'avant dans le domaine de l'environnement. Tout ça, on pourra le faire parce qu'on est dans une situation budgétaire qui nous le permet. Et sans renier ce qui est un engagement fondamental à mes yeux, il n'y aura pas
d'augmentation des impôts pendant les 6 ans à venir. On s'y engage, on pourra le faire. Voilà ce que sera la ville de Sucy pendant 6 ans, une ville où on partage avec les gens dans une vraie simplicité, avec un vrai apolitisme. Ça, c'était Sucy. C'est une ville humaine, humaniste, et les élus ne peuvent pas être tout à fait différents de leurs électeurs. Moi, je pense quand même qu'on est la traduction de ce que sont nos habitants. Et je remercie les habitants d'être si civiques à Sucy, parce que, aussi contrairement à une idée reçue, on aimerait bien mais que les habitants votent massivement au municipal. Mais vous savez, dans la France entière, et en Île-de-France en particulier, les habitants ne se déplacent pas tellement aux urnes, mais à Sucy, ils le font toujours plus et en plus grand nombre. C'était déjà vrai il y a 6 ans, et dans la crise sanitaire qu'on a connue, on est la 3e ville en participation pour les maires qui sont élus au premier tour. Et pour si on prend les 47 communes du département, donc si on prend les maires élus au premier tour ou ceux qui vont l'être prochainement au deuxième tour, on est 9e en participation. On sait bien qu'on vote toujours plus là où il y a des contestations et des vraies batailles. Ça veut donc dire que notre ville, elle est très civique, et ça, je pense aussi que c'est une très bonne nouvelle. Ça nous donne toute la légitimité nécessaire à nous qui sommes dans la majorité, à vous qui êtes dans l'opposition. Prenons-le comme un bon augure et soyons à la hauteur de ce qu'attendent les habitants, surtout pas de débats où on discute comme si on était en campagne électorale. La campagne est terminée, et maintenant, pour Sucy, pour la France, dans une crise telle que celle-ci, vous aviez raison de rappeler qu'il faut accompagner notre gouvernement pour que la France se redresse. Merci à tous. Bien, Marie-Carole, je vais donc te céder la présidence de séance. Alors, nous devons désigner les maires adjoints, mais avant, c'est nous qui choisissons de dire quel nombre de maires adjoints, sachant bien sûr que la loi détermine en fonction de la strate de la ville combien de maires adjoints, jusqu'à combien de maires adjoints nous pouvons aller. Donc dans une ville comme la nôtre, nous pourrions désigner un seul maire adjoint, mais nous sommes autorisés à aller jusqu'à 10 maires adjoints. C'est ce que je vais vous proposer, comme c'était le cas auparavant, de fixer à 10 le nombre de maires adjoints. Et je vais vous demander donc de vous prononcer, comme ce n'est pas une élection personnelle, nous pouvons nous prononcer à main levée. Donc je vais vous demander qui est contre cette proposition, qui s'abstient, oui, 6 abstentions, qui est favorable, 28 voix pour, et à partir de là, nous pouvons procéder à l'élection, non sans que je vous ai demandé s'il y avait... alors, on aura le même bureau de la même organisation du bureau électoral, on l'a dit tout à l'heure, vous aurez les mêmes rôles. Et donc, on va demander maintenant aux différents groupes d'annoncer quels sont leurs candidats, s'ils souhaitent en présenter pour ces 10 maires adjoints. Et je m'adresse à Olivier Traillot qui, je crois, veut faire une proposition. Au nom de la liste pour l'amour de Sucy, nous proposons les candidats suivants pour la fonction d'adjoint au maire. Monsieur Olivier Traillot, madame Sandrine Felgin, Monsieur Christian Vandenbosch, Madame Marie-Dominique Penaud, Monsieur Jean-Pierre Chaffaut, Madame Awatimera, Monsieur Luc Boursier, Madame Christine Pinto, Monsieur Jean-Daniel Hamsler et Madame Anne-Marie Bourdineau. Alors, je crois que Jean-Paul Grange souhaitait faire une proposition aussi. Maître. Pardon. Nous souhaitions soumettre une liste alternative avec seulement 3 noms, donc Jean-Paul Grange, Margaret Bignac-Nanteuil et Olivier Marasco. Oui.
j'ai un petit rappel de l'administration qui me dit que j'aurais dû lire strictement le rappel des textes. Je vous en ai donné la substantifique moelle. Alors, je vous rappelle qu'en application des dispositions inscrites aux articles L 2122 alinéa 4 et L 2122 alinéa 7 du Code général des collectivités territoriales, les adjoints sont élus au scrutin secret de liste à la majorité absolue, sans panachage ni vote préférentiel parmi les membres du conseil municipal. Devront figurer sur la même liste les noms des conseillers municipaux candidats aux fonctions d'adjoint au maire au titre des articles L 2122 alinéa 2 et L 2122 alinéa 2-1 du Code général des collectivités territoriales, sachant que le rang des adjoints résultera de l'ordre de la présentation de la liste. Depuis la loi Engagement et proximité promulguée le 27 décembre 2019, chacune des listes doit être composée alternativement d'un candidat de chaque sexe. S'agissant du déroulement du scrutin, si après deux tours de scrutin, aucune liste n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative. En cas d'égalité de suffrage, les candidats de la liste en la moyenne d'âge la plus élevée sont élus. Voilà, je crois que j'ai été au bout de la lecture qui s'imposait. Alors, afin de faciliter les opérations de vote, les listes vont donc maintenant être reproduites pour servir de bulletin de vote. Est-ce que nous avons les listes sur nos tables ? Oui. Pour les élus détenteurs d'un pouvoir, mais c'est donc un cas de figure qui n'existe pas ce soir. On n'a pas de suspension de séance, donc si les bulletins sont déjà distribués. Oui. Et nous allons... Maintenant, passez au vote. Alors, je dois appeler chaque conseiller et je dois donc voter la première, mais je n'ai pas encore de bulletin. Voilà. Alors, on va demander aux assesseurs de reprendre place, tout en prenant la peine d'emporter avec eux leur bulletin et leur enveloppe. Lorsqu'ils seront appelés, ça leur évitera de revenir à leur place. Alors, Marie-Carole Sientu, j'y vais donc. J'accepte la proposition du directeur général des services. C'est l'urne qui se déplace. Olivier Traillot, ça sera plus rapide. Il y a moins de déplacements. Sandrine Felgine, qui est à côté, Christian Vandenbosch, Laurence Westphal, qui est à ma gauche, Adolphe Montefiore, Madame Marie-Dominique Penaud, Jean-Daniel Amsler, Awa Timera, Jean-Pierre Chaffaut, Christine Pinto,
Christine Pinto a voté. J'ai pas vu, oui. Christophe Chartrain. Sophie Filleur. Cédric Musso. Virginie Grasset. Luc Offenstein, Anne-Marie Bourdineau, Luc Boursier, Martine Valotto, Luc Boursier, Martine Valotto, Philippe Dambrun, Nicole Mille, Stéphane Bogaena, Caroline Blamoutier, David Cardozo, Marielle Laurent, Jean-Pierre Durazo, Élodie Marie, Alain Catineau, Vincent Jacobi, Dominique Chénois, Emmanuel D'Andrea, Jean-Paul Grange, Margaret Anteuil, Olivier Marasco. Voilà, tout le monde a voté. Il faut ouvrir l'urne, comptabiliser les bulletins, et puis procéder de la même façon que la fois précédente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Douze, treize, quatorze, quinze, seize, dix-sept, dix-huit, dix-neuf, vingt, vingt et un, vingt-deux, vingt-trois, vingt-quatre, vingt-cinq, vingt-six, vingt-sept, vingt-huit, vingt-neuf, trente, trente et un, trente-deux, 33, 34. Comment je procède pour, je dis pas les noms. Je préviens le. Oui, le nom de la liste. Oui. Et c'est les noms des. Ou alors le premier nom qui figure. Oui, voilà, sur le bulletin, oui. Monsieur Traillot. 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 Monsieur Traillot.
Monsieur Traillot. Monsieur Traillot. Monsieur Traillot. Monsieur Traillot. Monsieur Traillot. Monsieur Traillot. Monsieur Traillot. Monsieur Traillot. Monsieur Traillot. Monsieur Traillot. Monsieur Traillot. Monsieur Traillot. Monsieur Traillot. Huitain blanc. Bulletin blanc. Monsieur Grange. Bulletin blanc. Monsieur Grange. Monsieur Grange. Alors, comme il y a 3 bulletins blancs, ils doivent être signés par celui qui préside aux opérations de vote, donc Jean-Daniel Amsler. Et après ça... Et par la secrétaire de séance. Oui, et dès qu'on aura procédé à ces signatures, avec votre propre crayon... Nous aussi, il faut qu'on signe. Alors, avec le même nombre de voix que pour l'élection du maire, nous pouvons donc proclamer le résultat et on peut donc dire qu'il y a eu 34 bulletins et il y a eu donc 28 voix pour la liste qu'on va appeler Traillot et 3 voix pour la liste de Jean-Paul Grange. La liste élue est celle donc de où M. Traillot figure en premier, ce qui signifie, vous l'aurez compris, que Olivier Traillot va être premier maire adjoint. Donc deuxième maire adjoint, Sandrine Felgin, élue. Troisième maire adjoint, Christian Vandenbosch, ce qu'on appelle l'ordre du tableau. Quatrième maire adjointe, Marie-Dominique Penaud. Cinquième, Jean-Pierre Chaffaut. Sixième, Awa Timera. Septième, Luc Boursier. Huitième, Christine Pinto. Neuvième, Jean-Daniel Amsler. Et dixième, Anne-Marie Bourdineau. Je vais vous remettre tout de suite après votre écharpe,
mais non sans avoir procédé, si vous en êtes d'accord, pour là aussi simplifier la séance, élu les trois autres maires adjoints, puisque vous le savez, nous avons la capacité à voter pour la désignation de maire adjoint supplémentaire au regard de l'existence des conseils de quartier que nous créons. Vous le savez, il y a 6 conseils de quartier. Cela nous permet d'avoir 3 maires adjoints supplémentaires. Alors me direz-vous pourquoi 3 maires adjoints pour 6 conseils de quartier ? Pour des raisons qui avaient été déjà explicitées la fois passée. Bien sûr que tous les conseils de quartier vont avoir des présidents de quartier. Nous désignerons d'ailleurs pour les 3 conseils de quartier qui n'auront pas de présidence dès ce soir, nous les désignerons au prochain conseil municipal. Ceux-là ont simplement quelque chose de particulier, c'est qu'ils ont des opérations qui sont plus conséquentes que ce qui se déroule dans d'autres quartiers. Vous allez le comprendre tout de suite pour le conseil de quartier du centre-ville, où la présidence était déjà effective de la part de Laurence Westphal. Je vais vous proposer également cette fois de la désigner en tant que maire adjointe au titre d'un conseil de quartier. Et ce qui peut vous surprendre aussi ce soir, c'est que ces désignations, bien sûr, sont liées aux délégations, mais on ne parle pas de délégation le soir d'un conseil d'installation puisque les délégations sont données par le maire et par arrêté. Donc ce n'est jamais le conseil municipal qui donne les délégations. Mais évidemment, c'est parce que Laurence Westphal, qui conservera la délégation à l'aménagement, et en raison de cette délégation, qu'on la désigne pour s'occuper de l'opération du centre-ville et de traiter cela en particulier avec le conseil de quartier du centre-ville, même si le conseil de quartier du centre-ville n'est pas absent d'autres ordres, d'autres débats, à des ordres du jour qui peuvent être plus larges que cela, mais évidemment, vous traitez tout particulièrement du centre-ville. De la même façon, vous savez qu'il y a un projet d'école pour le quartier de la Fosse-Rouge, que notre maire adjoint aux affaires scolaires et qui va le rester, à qui je redonnerai une délégation aux affaires scolaires, c'est Christophe Chartrain. Il va présider ce conseil de quartier de la Cité Verte, Fosse-Rouge et Montroy. Et enfin, le dernier conseil de quartier qui va avoir à connaître d'une opération importante qu'on a souvent abordée, c'est celle de la place de la gare, va être présidée par Cédric Musso, qui devient maire adjoint et qui aura une délégation qui sera différente de celle qu'il exerçait précédemment, puisqu'il s'occupait au dernier mandat des personnes âgées et que ce n'est pas la délégation donc qu'il aura. Vous avez une indication au travers de cette proposition d'élection en tant que maire adjoint désigné dans le cadre des conseils de quartier. Donc voilà, nous proposons donc Christophe Chartrain, Laurence Westphal et Cédric Musso au titre de l'élection des adjoints de quartier. Je vous pose bien sûr la question aussi, souhaitez-vous présenter à cette élection des élus ? Non, là, cette fois-ci, on y aura donc une, si je puis dire, 3 noms et donc un bulletin unique qu'il va falloir nous donner. C'est peut-être déjà distribué sur les tables. Oui, on les a déjà. Non. Non. Alors, on va demander à l'administration de nous les donner et on va procéder à ce nouveau vote qui est le dernier de cette séance d'installation.
Ouais, je vous fais grâce de la relecture intégrale, vous le voulez, des mêmes articles qui disent donc toujours les mêmes éléments. Et donc, il faut mentionner les articles 2122, alinéa 4, et 2122, alinéa 7-2. Et comme vous l'aurez remarqué, depuis la loi engagement et proximité, chacune des listes doit être composée alternativement d'un candidat de chaque sexe, ce que nous avons bien sûr respecté pour l'ensemble des votes de ce soir. Oui, alors, il y a un vote aussi à faire à main levée. C'est sur le nombre des adjoints de quartier. Donc, là aussi, il y a une attitude qui était laissée à la ville. Nous pourrions faire le choix de ne pas en désigner. Nous pouvons aller jusqu'à 3. Nous vous proposons donc ce nombre de 3. Ces traits s'expliquent par le fait que nous sommes dans des villes où nous ne sommes pas obligés d'ailleurs de désigner, vu la taille de notre ville, de faire fonctionner des conseils de quartier. Donc la loi considère que si des villes moyennes comme la nôtre décident de faire fonctionner des conseils de quartier, alors il faut lui donner la capacité de le faire au travers donc de cette possibilité de nommer des maires adjoints supplémentaires. Alors je vous propose de fixer au nombre de 3 le nombre d'adjoints chargés de ces 3 quartiers. Qui est contre cette proposition ? Qui s'abstient ? Qui est favorable ? Alors vous êtes abstenu ? Oui. 6 abstentions, 28 votes favorables, je vous remercie. Le nombre est fixé à 3 et maintenant nous passons au vote. Et je vais... Alors, vous allez être contraints de revenir une dernière fois, messieurs et madame les assesseurs, et de refaire le même exercice. Voilà, alors je suis la première à voter, suivra Olivier Traillot. Il y a l'envie de bouger, mais on reste effectivement à sa place et on procède à l'élection de la même façon. Alors Olivier Traillot, Sandrine Felgin, Christian Vandenbosch, Laurence Westphal, Adolphe Montefiore, Marie-Dominique Penaud, Jean-Daniel Amsler, notre directeur général est un sportif, Awa Timera, c'est bien pour ça qu'on l'a choisi ce soir, Jean-Pierre Chaffaut, Christine Pinto, Christophe Chartrain, Sophie Filleur, il faut changer de côté là, Cédric Musso, Virginie Grasset, Luc Offenstein, en face, Anne-Marie Bourdineau, Luc Boursier, Martine Valotto, Philippe Dambrun, Nicole Mille, Boga Hénard, Caroline Blamoutier, David Cardozo,
Marielle Laurent, Jean-Pierre Durazo, Élodie Marie, Alain Quétineau, Vincent Giacobi, Dominique Chénois, Emmanuel D'Andrea, Jean-Paul Grange, Margaret Nanteuil, Olivier Marasco, voilà. Alors, on décompte les bulletins, on ouvre les enveloppes. Et... allez-y. C'est pas grave, on reprend. Il y en a quand même 34. On va vous aider. On compte avec vous. 1. Train Vespal Musso. Chartrain Vespal Musso. Chartrain Vespal Musso. Chartrain Vespal Musso. Chartrain Vespal Musso. Je prononce bien vos noms, j'espère. Chartrain Vespal Musso. 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 Blanc. 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 Chartrain Vespal Musso. Chartrain Vespal Musso. Chartrain Vespal Musso. Chartrain Vespal Musso. Chartrain Vespal Musso.
Chartrain, Westphal, Musso. Chartrain, Westphal, Musso. Chartrain, Westphal, Musso. Chartrain, Westphal, Musso. Chartrain, Westphal, Musso. Chartrain, Westphal, Musso. Chartrain, Westphal, Musso. Chartrain, Westphal, Musso. Monsieur Chartrain, Madame Westphal et Monsieur Musso. Oui. Alors. Signature. Oui, il faut effectivement à la fois que Jean-Daniel signe. Jean-Daniel, il faut signer les bulletins blancs, ainsi que Awa. Voilà. Même punition, même motif. Et après, comme ça, vous pourrez me dire quels sont les résultats proclamés. On remercie nos deux assesseurs. Alors, je vais proclamer les résultats. Voilà, l'élection des adjoints de quartier sont désignés avec 28 voix. Il y a eu 6 bulletins blancs, Chartrain, Westphal, Musso. Voilà. Ça, on peut les applaudir. Et je vais vous proposer donc les remises d'écharpes. Elles se trouvent sur l'estrade. Et je vais vous proposer donc de venir me rejoindre afin que je vous donne ces écharpes. Alors, au premier, je vais appeler Olivier Traillot. Voilà, à qui je vais remettre à distance, malheureusement, son écharpe. Voilà, je ne sais pas s'il veut dire quelque chose, parce que c'est un petit peu particulier aussi, il y a un peu de changement. Oui, c'est vrai, c'est très particulier, et c'est avec honneur et fierté que je prends ce rôle à cœur. J'espère que je serai à la hauteur de cette place que vous m'avez offerte. Nous n'en doutons pas. La présence d'Olivier Traillot dans la ville est telle que je pense que beaucoup comprennent ce choix. Je voudrais, même si ce n'est pas du tout dans les règles, mais on a déjà vu sans doute à travers ma lecture assidue, exhaustive des articles, que j'avais une certaine tendance à ne pas du tout suivre ce qu'il faut faire, appeler, alors qu'il n'est que 9e, si on peut dire, dans la liste des maires adjoints, Jean-Daniel Amsler, parce que je voudrais dire aussi que cette désignation d'un premier maire adjoint nouveau s'est faite en très bonne intelligence avec Jean-Daniel Amsler, qui sait bien qu'il faut qu'il puisse y avoir des changements et qu'il y a un moment où il faut permettre à des nouveaux élus d'être désignés à la fonction de premier maire adjoint, qui a peut-être plus de contraintes d'ailleurs que de privilèges. Et il me disait en souriant que c'est un retour aux sources, puisque lors de sa première élection, il y a un certain temps et un certain nombre de mandats, eh bien, il était 9e dans la liste des maires adjoints. En tous les cas, je le remercie
d'avoir depuis fort longtemps indiqué qu'il souhaitait un renouvellement des élus à travers donc ce mandat de premier maire adjoint qu'il ne souhaitait pas continuer, sachant que je souligne le rôle tout à fait particulier qu'a Jean-Daniel Amsler au niveau du territoire et des transports, sujet ô combien compliqué sur lequel il est le seul au sein du territoire à avoir la connaissance en matière de ce transport sur l'ensemble du territoire, à telle enseigne que le président de notre territoire a créé une délégation particulière pour que Jean-Daniel, au sein de l'exécutif, puisse œuvrer au niveau des transports. Ça a aussi cette vertu-là d'avoir une compétence acquise au fil des années. Oui, le renouvellement, c'est une très bonne chose. Oui, d'ailleurs, nous l'avons pratiqué. C'est même une nécessité. Mais à la fois, compétence et renouvellement, c'est ça la clé d'un conseil municipal équilibré. Voilà, je donne la parole, mais si on pouvait me donner le micro dédié à Jean-Daniel, ce serait mieux, parce que là, on est en train, en fin de séance, d'échanger nos micros, alors qu'on m'avait bien signifié que celui-ci m'était totalement personnel, et je donne l'écharpe, bien sûr. Marie-Carole, encore une fois, un grand merci. Un grand merci à toute l'équipe. Je dois dire que en ce qui me concerne, c'est une fidélité à cette ville, un engagement. Je ne compte plus les années maintenant. Quand Jean-Marie Poirier m'avait proposé de rejoindre l'équipe municipale, à l'époque où les collectivités territoriales commençaient à avoir le début de la décentralisation. C'était les années 80 où petit à petit les villes commençaient à avoir leur autonomie, notamment dans le domaine financier et budgétaire. Ensuite, effectivement, Jean-Marie Poirier m'avait demandé, au titre de compétences que j'avais exercées, notamment en tant qu'officier de réserve, dans le secteur des transports, et donc de prendre la présidence du CITUS. Et puis ça, c'est un scotch qui m'est resté depuis cette époque, parce que à travers la dissolution du CITUS, la création de l'agglomération, puis la création du territoire, c'est une responsabilité que vous avez tous voulu me laisser. Donc je l'exerce avec le maximum d'engagement personnel, mais c'est une tâche passionnante, parce que les problèmes de transport sont dans notre territoire et dans notre département un problème complètement stratégique, avec au niveau de l'action que nous menons les quatre niveaux. Il y a une action au niveau municipal, il y a une action au niveau du territoire, il y a une action au niveau du département et il y a une action au niveau de la région, sans compter même les nombreuses réunions avec le préfet de région et l'État et les services de l'État, la DRIEA et tous les organismes concernés. Donc en fait, c'est une tâche passionnante, c'est une tâche extrêmement compliquée. Et souvent, je dirais que c'est une tâche ingrate, parce qu'on souhaiterait faire beaucoup de choses. Et malheureusement, les crédits qui sont alloués à ces investissements en matière d'infrastructure, de transport, ça représente des années et des années de combat. Regardez ce qu'il a fallu 20 ans pour obtenir que toutes les rames du RER aillent jusqu'à Boissy. Et je ne vous parle pas de tous les problèmes que nous avons en matière de développement, ne serait-ce que par exemple les pistes cyclables, le combat qui est mené pour permettre que le territoire dispose, à travers ceci, à travers le territoire, d'un ensemble cohérent de pistes cyclables. Donc c'est un combat que nous menons à travers notamment le plan local des déplacements, qui est également une œuvre qui est menée au niveau du territoire et qui implique l'ensemble des acteurs qui participent à l'élaboration des transports dans notre département. Voilà, donc j'en arrête là, je ne vais pas faire un long discours, mais je voulais vous remercier tous pour la confiance que vous avez témoignée à mon égard et vous dire combien je suis ému également ce soir de retrouver cette place de 9e adjoint, et je l'avais voulu, et donc merci à tous. Alors, Sandrine Felgine. Je pense que c'est aussi un petit peu émouvant, un changement, une place aussi éminente au sein du conseil municipal qui témoigne de la place
de l'environnement dans notre équipe et de la place que Sandrine Feljean a fait jouer à cette dimension au sein du Conseil qui est devenue totalement transversale, de la bonne collaboration qu'elle a pu aussi nouer avec notamment Jean-Paul Granche. Je crois que vous avez appris à travailler ensemble. On peut toujours aller plus loin. C'est Sandrine et vous en avez une envie commune. Après, parfois, le rythme n'est pas tout à fait celui que l'on veut parce qu'il y a un principe parfois de réalité. Mais je crois que la place de Sandrine dans l'équipe, sa capacité à travailler en concertation avec l'ensemble des groupes d'opposition et à avoir su mener aussi au sein de l'agenda 21 une belle collaboration avec tous ceux qui veulent s'engager autour de l'environnement fera que cette fois-ci, de toute façon, on trouvera un rythme tel qu'il répondra aux attentes de la population. Je sais pouvoir faire confiance à Sandrine sur ses... aspect-là des choses et aujourd'hui je crois qu'elle a plus encore envie que jamais d'affirmer son poids au bon sens du terme au sein du conseil municipal. Merci Marie-Carole. Effectivement, c'est avec beaucoup d'honneur et d'émotion que j'accepte cette place ce soir. Je pense que tu as effectivement dit que nous avions travaillé avec Jean-Paul, notamment l'année, enfin sur le précédent mandat. On a beaucoup de travail qui nous attend. Donc, je compte sur vous tous, l'ensemble du conseil municipal, pour nous rejoindre et travailler sur toutes ces thématiques et je vous en remercie par avance. Voilà, alors on ne va pas faire déclarer à chacun ce qu'il ressent en arrivant sur l'estrade, surtout si je fais ça à Marie-Dominique Penaud, elle va peut-être regretter finalement d'avoir été élue ce soir maire adjoint. Voilà, comme elle l'était déjà dans le précédent mandat, elle était en charge, vous le savez tous, en charge du social. Et donc Marie-Dominique Penaud, qu'on applaudit, qui n'aime pas les longs discours. Et voilà, et ces cérémonies, mais qui néanmoins est investie au sein du conseil et endosse parfaitement la fonction. Merci à elle. Bravo Marie-Dominique. Jean-Pierre Chaffaut. Oui, j'ai oublié Christian Van den Bosch. C'est vrai, il y a deux femmes qui se sont suivies. Ça, c'est pas possible. Christian Van den Bosch. Voilà. Honneur aux femmes. Là, vraiment, là, c'est pas volontaire de le faire dans le désordre. Voilà. Et voilà. Christian Van den Bosch, en charge des sports, maire adjoint en charge des sports. Et je pense qu'il y a des chances qu'il garde sa délégation, compte tenu, vous le savez, son attache à cette délégation et son rôle auprès des associations de Sucy. Si on parlait de lieu de vie tout à l'heure dans Sucy, et on disait que finalement, il y a un cœur de ville qui bat, mais je crois plus que tout et depuis toujours, il y avait au sein de la ville un cœur très sportif qui battait un petit peu décentré par rapport d'ailleurs au centre-ville. C'est le parc des sports. Si ça, c'est pas un endroit que l'on ressent et dont on ressent toute la privation d'ailleurs en ce moment, puisqu'on peut pas rouvrir et c'est pour des raisons qu'on comprend le parc des sports, c'est qu'on a raté une dimension quand même dans la ville qui est absolument exceptionnelle. Parc des sports, création municipale. C'est pour ça que quand je rends hommage aussi à tous ceux qui ont fait la ville et donc aux équipes auxquelles Jean-Daniel a appartenu, il ne faut jamais se souvenir que ce qui nous paraît naturel aujourd'hui, ce ne sont pas des créations spontanées. Et le potentiel qu'on veut révéler aujourd'hui n'est jamais autre que ce que nos prédécesseurs ont fait. Si on ne connaît pas son histoire, on a du mal à comprendre comment se construit une ville. Et en tous les cas, le parc des sports, c'est quelque chose d'essentiel. Et on y a beaucoup de travail à faire encore, et c'est bien ce qu'on va faire. Et on attend qu'il réouvre, bien sûr, avec impatience, mais quand la situation le permettra. Voilà, bravo Christian. Alors, Jean-Pierre Chaffaut, qui a été obligé de se rasseoir. Voilà. Alors, déjà maire adjoint en charge, notamment de sujets
très important comme les inondations, dossier ô combien important et sur lequel nous allons travailler très vite et qui, dans le cadre du confinement, a continué à avancer, puisque les marchés que nous devons passer pour faire les études nécessaires pour savoir comment se comporte le mort-bras ont été lancés par la métropole pendant cette période. Donc le temps n'a pas été perdu et c'est tant mieux parce que le temps compte dans un dossier comme celui-là. Donc voilà, il est très emblématique des sujets très importants, très techniques et que connaît parfaitement Jean-Pierre Chaffaut. Donc on compte sur lui, là aussi, pour continuer à traiter ces dossiers avec beaucoup de dynamisme. Voilà, merci Jean-Pierre. Awa Timera, en charge de l'instruction des permis de construire et qui reste maire adjointe. Voilà. Et qui reçoit cette écharpe de maire adjoint pour son investissement qu'elle veut continuer et même accentuer. Voilà. Bravo, Awa. Voilà la culture avec Luc Boursier, maire adjoint. C'est un petit peu le sport et la culture, c'est là où il n'y aura pas de changement, parce que je dirais que Luc, c'est un petit peu comme Christian Vandenbosch. Ils sont tellement liés au domaine dans lequel ils exercent leur délégation qu'on ne voit pas comment on pourrait trouver quelqu'un qui serait plus habité par la culture. Alors, il est sans guitare, mais il est un peu triste de voir que l'espace Jean-Marie Poirier, certes, a plein d'usages, parce qu'il y a eu plein de choses qui se sont passées ici, et notamment, c'est là que nous avons mis les masques sous plis et organisé toutes les opérations de solidarité, mais on n'est plus, évidemment, à envisager des spectacles. On a une saison culturelle qui a été reportée à partir de septembre. Je ne sais pas si ça pourra fonctionner. En tous les cas, Luc a envie d'y croire. Et puis, on remet le chantier en route sur la ferme du Grand Val, sur le centre culturel, puisque c'est le chantier le plus important qui s'était interrompu. Il est plus facile de faire repartir les travaux quand il s'agit de travaux publics de voirie que de faire travailler avec les conditions sanitaires, les entreprises de différents corps d'État sur un chantier de ce type, mais on fait quand même en sorte qu'il n'y ait pas de retard pris et qu'on puisse en début d'année prochaine, en 2021, avoir une saison qui puisse s'épanouir, donc non seulement à l'espace Jean-Marie Poirier, mais également à la ferme du Grand Val. On verra, mais en tous les cas, on fait tout pour, et je sais que Luc Boursier va se battre pour cela. Donc, bravo à lui. Christine Pinto, qui est en charge de la petite enfance. Voilà. Avec un projet aussi important qui, lui aussi, n'est pas retardé par la période de confinement, puisque le conseil départemental, vous le savez, propose de faire une nouvelle crèche à Sucy et il nous a soumis ses dernières propositions. Donc, je suis sûre que Christine en a déjà pris connaissance et qu'on va en faire en sorte de répondre vite pour que le projet se fasse le plus rapidement possible, puisque, évidemment, les modes de garde pour les familles, c'est quelque chose de considérable. Voilà, merci à elle de nous avoir aidés, parce que non seulement les écoles ont repris, on en a beaucoup parlé, mais on a un petit peu oublié aussi que les crèches aussi sont ouvertes. Et comme le secteur scolaire,
les crèches n'ont jamais cessé de fonctionner, puisque vous savez que les enfants des personnels soignants étaient accueillis par les crèches, et ils ont fait même plus encore pour permettre aux maisons de retraite de bien fonctionner. On a accepté aussi que ceux qui travaillent dans les maisons de retraite, lorsqu'ils avaient des enfants en bas âge, puissent être accueillis à la crèche du centre, et ça a été quelque chose de formidable. Je pense une aide réelle aux maisons de retraite. Voilà, je voulais le dire parce que c'est quand même des secteurs qui ont été en première ligne, et on a des personnels qui ont toujours été totalement présents. Et un chiffre qu'on n'a pas donné, mais qui est intéressant, c'est que 99% de nos agents sont là. Donc ça peut vraiment signifier quelque chose sur la mobilisation d'une ville. C'est une manière de remercier l'administration, ce qui n'avait pas encore été fait à ce stade de la séance, et elle le mérite bien. Alors, donc Jean-Daniel Amsler, c'est fait. À Anne-Marie Bourdineau, qui n'était pas maire adjointe au précédent conseil municipal, qui va le devenir. Voilà, vous connaissez sa combativité, notamment pour que Sucy devienne une ville intelligente, fibrée, voilà, et qui a eu une charge très difficile. Si on en réchappe, en fait, ce n'est pas anormal de devenir maire adjoint, puisqu'elle s'occupait dans sa délégation, c'était la voirie, la circulation, ce qui à Sucy est un petit peu particulier. Voilà, mais il faut aussi dans ces domaines continuer. Voilà, on verra qui s'en occupera lors du prochain mandat. En tout cas, bravo, et je suis très heureuse de cette nomination. Christophe Chartrain. Alors, j'ai dit déjà plein de choses sur le domaine scolaire. J'ai déjà révélé que Christophe Chartrain continuerait à s'occuper des écoles. Il va prendre lui-même, allez, voilà, son écharpe. Et je remercie de continuer dans un domaine où rien n'est simple. En ce moment, c'est pas facile de répondre à la demande de refaire fonctionner les écoles, mais il faut aider. La décision a été prise. Il faut aider les écoles à repartir, les familles à remettre leurs enfants à l'école. Les enfants en ont besoin, les familles également. Ça s'est fait, donc, bien sûr, grâce à l'action de Christophe, mais aussi, je veux déjà saluer l'action d'Adolphe Montefiore, puisque eux-mêmes ont créer un comité scientifique qui permet de suivre la façon dont ça se passe dans les écoles. Adolphe le fait au titre d'une délégation que je confirmerai dans les jours prochains. Il s'occupera notamment de santé. Ce n'est pas étonnant au regard de son passé professionnel, puisqu'il a été le chef de la réanimation de l'hôpital de Villeneuve-Saint-Georges. Ça a été grandement utile déjà dans la période que nous avons abordée. Immédiatement, en fait, Adolphe Montefiore a été intégré, et ô combien dans l'équipe municipale, alors même que notre rencontre s'était faite sur d'autres thématiques de santé, notamment comment lutter contre les déserts médicaux, comment créer des maisons de santé. Ces thèmes-là ne seront pas oubliés, mais là, en l'occurrence, il y avait d'autres ponts à faire avec le monde enseignant et pour sur les aspects santé. Et d'ailleurs, il y a des procédures qui se mettent au point avec l'ensemble des médecins de Sucy, du SAMI et de la maison universitaire de santé pour savoir traiter des cas qui pourraient se révéler au sein des écoles ou des crèches. Et ça, je remercie du sérieux avec lequel tous ces protocoles sont élaborés. Nous reviendrons bien sûr sur tout ce travail dans les prochains conseils municipaux et dans nos commissions. Nous rendrons compte, comme c'est bien normal. Voilà, merci du travail effectué. Laurence Westphal, qui elle aussi avait la lourde tâche de pendant 3 ans, de concerter sur le projet
de centre-ville, qui est bien sûr un projet très important et très déterminant pour la ville de Sucy, mais qui globalement s'occupe des sujets d'aménagement et représente la ville de Sucy au territoire, puisque la compétence aménagement est désormais au territoire. Elle a bien l'intention de continuer à accompagner les opérations d'aménagement pendant les années à venir et qu'il y ait une vraie continuité. Je la remercie de ses qualités pour mener une concertation calme, méthodique et de savoir toujours garder la distance et pourtant être sur des réflexions de très haut niveau sur qu'est-ce que doit être notre ville et se projeter dans l'avenir et faire partager finalement au plus grand nombre cette vision d'avenir qui n'est pas toujours évidente pour ceux qui, et c'est normal, ne passent pas autant de temps que nous à y réfléchir. C'est bien pour ça d'ailleurs que nous sommes élus et qu'on compte sur nous pour ne pas se tromper, pour révéler les potentiels de notre commune. Voilà, je la laisse prendre aussi son écharpe, se ceindre de son écharpe et je la félicite de redevenir maire adjointe. Alors Cédric Musso. Voilà. Qui me disait en souriant, je suis rentrée, j'étais très très jeune au conseil municipal et puis maintenant ben, je ne le suis plus vraiment. Ben voilà, mais alors, la maturité étant atteinte, je suis très contente de lui remettre cette écharpe ce soir. Donc vous l'avez compris, il va être en prise avec, je ne dis pas que les sujets qu'il abordait précédemment étaient simples, et en plus il avait eu l'ambition pour les personnes âgées de créer un conseil de sages, donc ça c'était une nouveauté, c'était rien n'est jamais simple à mettre en place. Ça fait aussi partie de ces instances de démocratie participative auxquelles on tenait beaucoup. Ayant donc mis en place ce qu'il avait souhaité défendre au niveau des seniors, eh bien maintenant, il va aller vers de nouvelles aventures. Et notamment, comme tout à l'heure, nous vous le disions, il aura dans son escarcelle à présenter, à défendre, à concerter le projet de la gare qui est très attendu, mais pas seulement. On dévoilera la totalité de sa délégation, bien sûr, très, très prochainement. Je n'en fais pas mystère, mais ce n'est pas l'objet ce soir, comme je le disais tout à l'heure, d'en décider. Voilà, je suis très, très contente, vu le dynamisme de Cédric et son envie de s'épanouir au sein de la vie municipale, qu'il puisse prendre toute sa dimension avec donc cette nomination de maire adjoint et une délégation qui lui prendra, comme pour tous les maires adjoints, plus de temps encore qu'il n'en passait dans la vie municipale. Mais à cette heure-là, on espère que nos conjoints n'entendent pas. Voilà, donc bravo à lui. Alors voilà, il nous reste à lire une charte. Voilà. Alors, il faut que je la retrouve. Alors, cette charte, c'est une obligation légale que de la lire. Elle doit figurer. Voilà, lecture de la charte de l'élu local. Oui, c'est une charte que le Code général des collectivités territoriales nous oblige à lire. Bon, elle a des vertus, effectivement, qui sont de rappeler des choses d'évidence. Comme toutes les chartes, moi personnellement, je n'ai pas forcément foi dans les chartes. Ce n'est pas parce qu'on se programme vertueux qu'on l'est. Les chartes n'ont jamais évité que les élus locaux ne soient pas dignes de leur mandat. Voilà pourquoi, moi, celle-ci me convient et que je pense qu'on démontre tous les jours la déontologie et l'éthique de notre mandat par les actions qu'on mène et non pas par les déclarations formelles que l'on fait. Bien au contraire, moi, ça me paraît toujours suspect qu'on ait besoin de faire des grandes déclarations par rapport à la déontologie des élus si soi-même, justement, on s'applique une éthique rigoureuse.
Alors, l'élu local exerce ses fonctions avec impartialité, diligence, dignité, probité et intégrité. Dans l'exercice de son mandat, l'élu local poursuit le seul intérêt général à l'exclusion de tout intérêt qui lui soit personnel, directement ou indirectement, ou de tout autre intérêt particulier. L'élu local veille à prévenir ou à faire cesser immédiatement tout conflit d'intérêts lorsque ses intérêts personnels sont en cause dans les affaires soumises à l'organe délibérant dont il est membre. L'élu local s'engage à les faire connaître avant le débat et le vote. L'élu local s'engage à ne pas utiliser les ressources et les moyens mis à sa disposition pour l'exercice de son mandat ou ses fonctions à d'autres fins. Dans l'exercice de ses fonctions, l'élu local s'abstient de prendre des mesures lui accordant un avantage personnel ou professionnel futur après la cessation de son mandat et de ses fonctions. L'élu local participe avec assiduité aux réunions de l'organe délibérant et des instances au sein desquelles il a été désigné. Issu du suffrage universel, l'élu local est et reste responsable de ses actes pour la durée de son mandat devant l'ensemble des citoyens de la collectivité territoriale à qui il rend compte des actes et décisions prises dans le cadre de ses fonctions. Voilà, c'est une lecture, il n'y a pas de vote. Je dois rappeler que, avant de clore, j'invite le doyen, le secrétaire de séance ainsi que les deux assesseurs à venir signer les deux exemplaires du procès-verbal de l'élection du maire et des adjoints et la feuille de programmation des résultats. Et je propose, si vous en avez le souhait, pour pouvoir rendre compte dans un prochain Suci Info qu'on va pouvoir enfin à nouveau faire réimprimer, une photo de l'ensemble du conseil municipal. Alors, on ne pourra pas respecter, si on fait une photo collective, la distance nécessaire dans la mesure où je ne pense pas que le photographe puisse faire des exploits et nous avoir tous. Mais si on le fait, comme je le vois d'ailleurs dans l'ensemble des conseils qui ont lieu avant nous, ça s'est fait sagement et rapidement, je pense quand même que ce serait bien que nous ayons le conseil municipal au complet pour annoncer que le conseil municipal est en place, qu'il travaille et que nous allons faire de belles choses au service de nos habitants. Merci à tous de cette soirée première que nous avons passée ensemble. Il y en aura d'autres et je pense que nous allons bien travailler. Encore merci. On l'a fait, la photo ? On se met peut-être devant la table, là ?